il n'y a que les nihilistes qui s'inscrivent dans une négation absolue du non-être pour qu'ils existent. Donc l'autre en face doit cesser d'exister pour qu'il existe. Et donc, devant toutes ces difficultés, je voudrais saluer le courage d'être venu. Nous avons eu la chance, moi personnellement, de fonctionner pendant la transition. Et Dieu seul sait combien c'était pas facile de cohabiter, de vivre. Et plus on s'est fréquenté, plus on est devenu des amis. Docteur Bongani, vous sortez d'une entrevue avec l'ambassadeur Mouva. Dans quel cadre circonscrivez-vous cette entrevue? D'abord, merci. Je vous remercie d'être venu ici pour vous interviewer après la rencontre avec l'ambassadeur. Donc, on a répondu à l'invitation de l'ambassade pour rencontrer son Excellence l'ambassadeur Mouva, qui, dans le cadre d'une consultation générale, rencontre la communauté, la diaspora congolaise ici en Belgique. Et le MLC, en tant que première force politique de l'opposition, évidemment, on est venu ici pour discuter et en tout cas faire part à l'ambassadeur de nos différentes revendications. On a apprécié en tout cas la qualité des débats et la disponibilité de l'homme. On espère que dans l'avenir, on pourra continuer à échanger quand il s'agira des sujets qui concernent la nation.